Mathieu, à titre personnel, il n'y a pas j'y vais. Tu vas ? Ce matin, on était dans le bus jusqu'à 5 minutes du départ. On déconnait avec Brian, avec Yon. On les sent motivés, concentrés sur leur sujet, mais très détendus aussi. Et je pense que tout ça, après, évidemment, il a fallu travailler, préparer le Tour de France sur des courses comme le Critérium du Dauphiné, le Tour de Suisse, des stages en altitude. On a été faire 3 semaines de stages en altitude à Tignes. On a changé nos modes de préparation. On a travaillé avec nos partenaires aussi, notamment la marque de cycle Look. On a un tout nouveau vélo qui va être en vente prochainement, mais qui n'était pas encore sorti. Et ben aujourd'hui, on a la preuve que ce vélo va très vite. Cédric, vous êtes en train de prendre la lumière aussi. Cofidis, c'est avec 2 victoires françaises. Hein. Yon n'est pas français, mais d'une équipe française. Vous habituez déjà à ça ? Parce que la lumière, vous ne l'avez pas beaucoup eue sur le Tour ces derniers temps. Non, mais on ne recherche pas vraiment la lumière. Moi, personnellement, ce que je recherche, c'est vraiment la reconnaissance du monde, des partenaires. Et quand une équipe gagne, eh bien forcément c'est une équipe qui attire les jeunes talents qui ont 15 ans. Aujourd'hui, il y avait plein de jeunes qui aiment le vélo, qui regardent le Tour de France et qui se disent « Merde, l'équipe Cofidis, c'est quand même une super équipe ». Et c'était déjà ça au moment de sa création, avec notamment Frank Vandenbroek qui gagnait Liège-Bastogne-Liège. On a eu plein de champions, Bradley Wiggins, qui sont passés dans l'équipe. Et puis la formation, elle s'est un peu perdue parce qu'elle n'a pas réussi à se renouveler suffisamment rapidement. Donc il a fallu recomposer, observer ce qui se passait dans les autres équipes, réorganiser notre organigramme et puis surtout aller chercher des coureurs de talent. Et aujourd'hui, l'équipe qui est présente sur le Tour de France, c'est une équipe qui nous régale, qui me fait super plaisir et on a envie de continuer avec elle pour la faire encore progresser parce qu'elle n'a pas encore atteint son maximum. Dernière chose, vous le manager, vous les avez vécu comment cette dernière heure de course finalement ? J'étais un peu stressé parce que j'avais pas trop de réseau en arrivant ici, donc je savais pas trop ce qui se passait. On savait qu'on avait placé nos 2 meilleures cartes dans l'échappée. Ce matin, on avait 3 possibilités. Victor Lafay, Yon Izaguirre et Guillaume Martin. Quand j'ai su qu'il y en avait 2 des 3 dans l'échappée, on s'est dit, bon, on va peut-être pouvoir jouer un coup. Et puis à un moment, j'ai eu peur parce qu'on a vu qu'Yon s'était fait décramponner. On s'est dit, tiens, il a travaillé pour Guillaume, ça sera à Guillaume de prendre le relais. Et puis le temps de garer ma voiture, de revenir au bus, Yon était échappé seul, il restait 25 km. Et là, derrière, l'avantage, c'est que Guillaume Martin a fait un travail extraordinaire. Il a annihilé toutes les tentatives. Et puis on sait très bien qu'un coureur qui roule à allure régulière va beaucoup plus vite qu'un groupe qui accélère, qui ralentit, qui se regarde et qui commence à perdre la confiance. Donc aller jusqu'à 10 km, j'étais quand même assez réticent de m'extasier. Et puis dans les 5 derniers kilomètres, je savais que c'était gagné. Donc là, on a pu savourer pendant 5 km, c'est formidable. Et vous allez continuer à savourer et à arroser l'équipe de Beaujolais ce soir. On va arroser l'équipe de Beaujolais, on va arroser l'équipe de Champagne. Les bouteilles sont déjà au frais. Merci Cédric. J'ai vu qu'aujourd'hui dans l'échappée, il y avait Jorgensen, il y avait Mathieu Van Der Poel, ce sont vraiment des super coureurs. Et c'est une victoire collective aussi parce que Guillaume a contribué fortement à ce que Yon puisse continuer à augmenter son avance. Et après, il a été fantastique parce que ça roulait très 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 vite devant. Donc voilà, c'est un grand qui avait déjà gagné à Morzine. Il avait déjà réussi à gagner sur le Giro, sur le Tour, sur la Vuelta. Maintenant, il a 2 victoires d'étape. Chapeau. Chapeau pour lui, chapeau pour l'équipe Cofidis. Et j'ai pas beaucoup de mots. Je crois que c'est juste le résultat du travail de toute une équipe depuis 5-6 ans. On l'attendait, cette victoire. Et puis là, on en offre 2 à Cofidis et à tous ses partenaires. Je suis super content. Qu'est-ce que vous avez amené ? Qu'est-ce qui a changé dans cette équipe pour qu'on ait autant d'attentes et que d'un coup, là, comme ça, on manque à 2 ? Déjà, les coureurs ont changé. Hein. Je suis arrivé en 2018. Si vous regardez les coureurs qui étaient dans l'effectif 2017 et ceux qui sont dans l'effectif aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. On a dû renouveler, on a dû faire monter en puissance l'effectif. D'abord avec Elia Viviani, Guillaume Martin, on a fait arriver Yon Izaguirre, Simon Gaethje, des coureurs qui étaient déjà habitués à gagner sur le Tour de France. Moi, mon premier constat quand je suis arrivé chez Cofidis, c'est que dans l'équipe qu'il a composée, aucun coureur n'avait jamais gagné une étape sur le Tour de France. C'est pour ça que j'ai été chercher Viviani, c'est pour ça que j'ai été chercher Gaethje, parce que pour gagner sur le Tour de France, il y a un mode d'emploi, il faut s'inspirer de ceux qui l'ont déjà fait et ça marche parce que Victor rentre dans le cercle des vainqueurs d'étapes sur les routes du Tour de France. J'espère sincèrement que Brian sera capable de les accompagner, il marche très fort. Et vous savez, quand on est dans une équipe qui marche bien sur le Tour, et j'y ai déjà fait partie à plusieurs reprises, eh bien on n'a pas de limite. On n'a pas de limite et je pense
pense que Brian, secrètement, va aussi avoir une force décuplée, même si Philippe Sen est plus fort que lui. Guillaume Martin, on l'a vu aujourd'hui, il revient dans le jeu, 13e au général ce soir, il reprend du temps, et quand il est dans les échappées, on retrouve le Guillaume conquérant, et j'espère que ce week-end, on va pouvoir concrétiser encore ces bons résultats. En tout cas, on ne va pas s'arrêter là. Un petit mot sur Yon, juste sur Yon, qui était, enfin, jusqu'ici, il n'y a peut-être pas eu les résultats qu'on attendait. C'est vrai qu'on ne va pas dire qu'on était déçus de Yon Izaguirre, mais quand il arrive de Movistar, on se dit on attend plus de lui. Mais il a gagné Indurain cette année avec la manière aussi. L'année dernière, il nous a régalé sur les routes du Tour du Pays-Bas. Si vous vous souvenez, il chute dans la montée d'Araté, il remonte sur son vélo, il revient, il gagne quand même l'étape. Donc on savait que Yon, de toute façon, quand on passe au Pays-Bas, qu'il est intenable. Et avec un départ du Tour de France à Bilbao, on savait qu'il allait vraiment être déchaîné. Le départ a été compliqué pour lui. Les deux premiers jours ont été difficiles physiquement. Mais il a transmis à l'ensemble de l'équipe cette envie de gagner. Parce que lui, il voulait vraiment gagner sur ses terres. Il y avait une effervescence folle. Vous étiez présent quand Yon Izaguirre allait signer, c'était de la folie. Et donc ça élève le niveau de l'équipe parmi les meilleures équipes. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de montrer à tout le monde du cyclisme, au monde entier, que quand on est chez Cofidis, eh bien, on peut gagner aussi. Et venez chez Cofidis, vous aurez aussi votre tour, vous pourrez gagner.